Ah merde, j'ai pas changé la lumière. Et voilà, bonsoir, je suis avec Jex. C'est maintenant que je dois dire bonjour. Oh, putain. Oui. Bah dis bonjour. Ah, bonjour. J'avais pas compris, c'était maintenant. Qu'est-ce qu'il est con. Comment allez-vous, Twitch? C'est mon générique préféré aussi, je crois. Quoique, j'aime bien. Il y en a un que j'aime bien. Je sais plus c'est lequel, mais je l'aime bien aussi. Hop. Là, je vais faire une vidéo d'annonce. Allez, bah. Sinon, les gens vont faire. Moi, je voulais le voir et tu l'as pas annoncé. Je trouve ça vraiment dégueulasse, enculé. Re-salut YouTube, là tout de suite on est en live pour faire Monster Hunter World, enfin la bêta de Monster Hunter World, et c'est maintenant tout de suite sur twitch.tv/globtopus, à tout de suite. J'arrive à la fin du live, c'est le début. C'est cool, Dieu. Si tu veux, tu peux dire qu'est-ce que tu cherches comme style de jeu pour qu'on te conseille une arme adéquate. Ouais, je vous connais, vous allez me conseiller la pire arme du monde. Et après, vous allez faire. Non, mais attends, c'est normal, on t'a conseillé la pire. Et du coup, je vais bâcher le jeu, vous allez faire. Oh, mais non, mais tu dis ça parce que t'es bête. Monde. T'es le méchant star envers sa communauté, quoi. Alors qu'elle essaie de t'aider. Je les connais, c'est tous des connards. On est pas en live, là. Il me pose la question à moi. Ouais. Il est pas mal, hein, qu'est-ce que tu veux. Hop. Et c'est parti. Je sais, Alexis. Hop. Et hop, hop. Les horoscopes qui fait on peut vraiment plus le piéger, c'est nul. Ouais. Ouais, voilà ce que c'est d'abuser de la confiance d'une personne. On peut tromper 1000 personnes une fois, mais on ne peut pas tromper 1000 personnes 1000 fois. Pire arme de jeu, cette lance de merde, d'accord. Je ne prendrai pas la lance. Si bien c'est la meilleure arme, du coup je vais me faire niquer. Ah, je suis obligé de réfléchir à deux niveaux à la fois. Pour être sûr que vous essayez pas de me piner la gueule. Putain, j'ai tellement envie. C'est trop chiant parce que j'ai envie de vous montrer des trucs que j'ai commandés et tout. Mais je ne peux pas. Je ne sais pas. Et je reste planté là. Les lois ne font plus les hommes. Mais quelques hommes font la loi. Je ne sais pas. Je ne peux pas. Tiens, d'ailleurs, je vous rappelle, tant qu'on est là et qu'on discute, qu'en ce moment, il y a les promos de ouf sur Ghost Planet. C'est les soldes de Nandoriel. Du coup, si vous voulez du Mortal Kombat, du Total War, du Saints Row, The Surge, parce que vous avez regardé la série Dark... ou Alien Isolation, ou alors, voilà, il y a pas mal de jeux, donc n'hésitez pas. Prince of Persia. Ah, ils en ont. Ils ont les deux plus récents, quoi. Léon, tu peux m'envoyer un mail, en fait,
sur globetopus@gmail.com, l'adresse en dessous. Et puis, bah, n'hésite pas à me dire ce que c'est, machin, etc. Et puis on verra. Hop. Que tu ne l'envoies pas si je l'ai déjà, quoi. Ça serait dommage. Ou si c'est pour juste envoyer le nom d'un jeu, tu peux le dire là. Live se termine à quelle heure? Jamais. Il vient de commencer donc bon. Si le jeu est merdique, ça va se finir vite. C'est vrai, alors il y a quelqu'un qui humeur, tu dis un truc très vrai, c'est les soldes ça fait moins de sous pour Globoptus. Et c'est vrai. Donc n'achetez jamais en solde, s'il vous plaît. Attendez que ça soit au prix fort. Et voilà, parce que bon, l'important c'est quand même que je me fasse un petit peu de thune sur votre dos, de votre argent, votre. Hey, donc Comptez. Monster Hunter World. Au fait, le journal de tournage du Soldat de l'Étrange commence quand? Il a commencé il y a genre 1000 ans. Il y a déjà Ouais. genre, il y a combien de jours de tournage? Sais plus, il y a eu le tournage d'avant Prague, il y a eu le tournage de Prague, le tournage d'après On est au jour Prague. 24. Voilà, il y Voilà. a 24 entrées. Le D'ailleurs, dernier visite un nouveau tournage étant live. daté du 4-12-2017. Je rappelle qu'il est possible, vu que c'est un nouveau live, que je rappelle, hein, parce que c'est un nouveau live. Alors, compte mime. Est-ce que tu es sûr que tu n'as jamais rien reçu? Parce que, alors, je précise, il y a pas mal de gens qui n'ont pas la même, pas le même mail que sur Ulule. Donc si c'est ça, j'ai fait une news sur Ulule pour expliquer aux gens ce qu'il fallait faire. Donc va voir dans les news Ulule et utilise le truc qui est marqué dans la news. Et je t'enverrai le lien, c'est arrivé déjà à une personne. Faut pas hésiter à le faire. Après, je précise quand même un truc qui est important. Le journal. Je le fais là parce que c'est pour me souvenir des jours de tournage, etc. Une fois qu'on aura fini le tournage, donc à ce rythme-là, on n'a pas, c'est pas tout de suite, hein, dans 6 mois, peut-être. Une fois qu'on aura fini le tournage, en fait, je vais tout retaper, d'accord? Donc je vais rajouter des infos, je vais rajouter des trucs, corriger les fautes d'orthographe, tout ça, machin. Et à ce moment-là, ça sera vraiment le journal de tournage et donc il sera renvoyé à tout le monde, etc. Pour que les gens puissent vraiment lire tout le truc de tournage. Et surtout, une fois que la série soit sortie, ça permet de rajouter peut-être des trucs un peu spoil, des trucs comme ça. Enfin voilà, dire là on a tourné épisode tant, épisode tant, etc. Voilà. Et je voulais dire quoi? Ah oui, n'oubliez pas que vous pouvez offrir un sub d'un mois à n'importe qui du live. C'est vrai. Mais donc, ouais, le journal du Soldat de l'Étrange. Non, après, on va être franc, hein, il y a des trucs où c'est assez compliqué parce que, ouais, par exemple, je vais prendre un exemple assez probant. On est sur un lieu, juste vous dire, vous montrer le lieu, vous expliquer c'est quoi la scène, vous machin, on peut pas le faire. Donc, le journal de tournage, ça se résume à ne pouvant absolument pas montrer le lieu de tournage qui est hors de Prague, sans gâcher la découverte de l'épisode, je vous poste cette photo de truc. Et le tournage était assez surréaliste, le lieu en question était déjà très impressionnant, mais la vue de ce lieu est aussi sublime. Une vallée dans laquelle un petit village est visible, au loin des lumières d'une usine, dans le ciel des nuages mordants, une pleine lune éclatante, parfait. Un des sujets que je n'ai pas encore abordé, le froid. Il fait généralement entre 2 et 4 degrés lors des tournages de la semaine à Prague, sans compter l'humidité et le vent, heureusement nous nous y sommes préparés, et nous allons affronter bien pire dans la prochaine semaine. Je ne peux pas parler en détail du tournage sans spoiler la série, donc je dirais simplement que c'était agréable. D'ailleurs, pour cette semaine de tournage, nous étions 4, Eric évidemment, Victor et Kevin m'accompagnait. Le fait d'avoir une personne en plus nous a permis de gagner beaucoup de temps et nous a épargné beaucoup de fatigue. Voilà. Je peux pas me rentrer en détail de certaines parties. Après, il y en a où je rentre un peu plus en détail, mais c'est pas plus fourni que ça. Ça sera plus fourni, comme j'ai dit, quand la série sera finie, puisque bah, forcément, on pourra revenir dessus et donner des anecdotes en plus. Aussi, quand on aura fait les commentaires de la série. Chose qu'on a tous hâte de faire. Le mec il a confondu journal de tournage et journal intime, hein, je crois. Oui, aujourd'hui il a fait froid, hein, alors heureusement qu'on était plusieurs. Il n'y aura pas de spoiler. Enfin, après, il y a du spoiler, hein. Dans les images, dans les trucs, vous voyez
des lieux de tournage, vous savez, certains endroits de tournage, voilà. L'arme qui permet de tuer le monstre. Le monstre. Oh mon dieu, il y a un monstre, Voltaire. Tire-y dessus. Ah non, ils m'ont tiré dessus avec l'arme spéciale pour tuer le monstre, parce que je suis le monstre. Bon, en même temps, le jour 15 où tu montes la dague de Nyarlathotep, c'est un peu spoil. Ah, la dague de Nyarlathotep. N'importe quoi, mon pauvre Vexo. Salut Zach, on se voit ce soir. Enfin, tout à l'heure. Je sais plus, tu m'as répondu au mail ou au SMS ou pas? Je vais pas regarder. Bah ouais, Zou, je peux pas savoir ce que c'est un journal intime parce que je suis pas une gonzesse. Oh mon dieu. Ah bah c'est bon en fait, j'ai mis. J'avais mis là en fait. Tout va bien. Bon allez, c'est parti pour Monster Hunter World. Attends, ce qui me rebonsoir, je suis à l'heure cette fois. C'est faux, tu mens. Parle, Jax. Test. Non, c'est bon. Ça va le son ou pas? J'adore dire test. Je rappelle que c'est grâce à Alexis que je peux écouter les deux sons en même temps. Est-ce qu'il t'a donné la table de mixage? Non, non, il m'a donné l'idée de... Ah. Ouais, bah, c'est déjà pas mal. Je retire mon merci. Hein. Donc, demande d'amis reçue. C'est quoi ça? C'est ça qui te dit oui, je t'ai répondu, j'ai prévu à Miami pour tonight. Tu vas parler français? Non, on a... Normalement, il y a tous les repas de prévu. Hein. Donc, il n'y a pas besoin. Passe d'étranger. On a dépensé 300 balles de course. On a rempli deux putains de caddies jusqu'au bord du haut du bord. C'était c'est rassurant ouf. De savoir où va l'argent du Hulk, quoi. Ah non, ça c'est notre argent. C'est ça le problème. Du coup, n'hésitez pas à m'ajouter comme ami maintenant, je vous rappelle. Hein. Mon identifiant est donc. Soit putain, c'est Maxime Robinet. Je vais le marquer sur le chat. Soit c'est Arachneus666. Non, c'est Arachneus08. Arachneus08, pardon. Arachneus08, regardez. Voilà, n'hésitez pas à le faire maintenant. Ça sera fait, tout va bien. Mon profil modéré. On sait pas ce que ça veut dire. J'espère que le 29 décembre, j'oublierai pas ma carte bleue chez moi en partant. Définir le statut en ligne. D'accord. Ouais, si t'as pas de PS4, avant que tu regardes le live. Voilà. Il demande s'il ramène de la Monster. Alors oui, je l'ai mis dans le mail. Hein. Je t'ai envoyé un mail aujourd'hui. Tu sais pas lire en plus de pas savoir écrire français? Zach, tu regarderas. Il y a tout qui est marqué. Paragon. Ah oui, c'est vrai que je devais faire ce jeu-là en live. Maxime Robinet, l'homme qui pense au truc! Est-ce qu'il y a de nouveaux amis? Nouveaux abonnés, on s'en branle. Nouveaux amis. Non, c'est pas ça. Ouais, bon, on s'en fout. Allez, Monster Hunter. Ah, c'est parce que je suis fatigué. Je suis méchant quand je suis fatigué. C'est pour ça, Zach. Allez, on va mettre le mode solo. C'est scénarisé ou... Oui. Donc je vous rappelle, hein, vous avez un petit... Oh, on peut créer un personnage. Alors attendez, j'essaie d'accepter un hein, fur et à mesure. Donc on va faire... On va essayer de faire un personnage très laid. Putain, il a la classe, lui. Lui, c'est le plus laid pour l'instant. Vous pouvez éviter de prendre la femme parce que elle me... Ah mais voilà. Non en fait on peut pas changer grand chose. Elle va contre mes convictions. Voilà.
Entrez votre nom. Jacques fait « Désolé pour mes questions. » Ça sera une balle dans la tête. Tubby Toast, ça sera mon nom. Oui. Ah merde, j'ai l'air con, vous avez pas vu? Ah, j'ai le droit de choisir Nocturne! Nocturne, elle ressemble plus à ça. Trop chute. On va l'appeler Nocturne. Seule utilisation du pavé tactile... Ah bah voilà. Seule utilisation du pavé tactile intéressante du... de la console, hein, taper les noms. Waouh. Pourquoi mon personnage avait la bouche ouverte? Oh, un chat, c'est tellement original. Wow. C'est un palico, hein. Donc ferme ta gueule un peu. Pareil. C'est pareil, c'est... Oh, on va faire un truc qui ressemble à un chat parce que c'est mignon, comme ça les gens ils font... Oh, comme c'est mignon, j'aime bien. Alors, le grand, j'ai la grâce de dévore tout. Terreur dans le désert des termites et tohu-bohu dans la forêt ancienne. Bon, clairement, on va commencer par ça. Un grand Jagras est apparu dans la forêt ancienne. Il dévore tout. Pistez-le à l'aide des traces qu'il laisse avec son ventre, puis éliminez-le. Acceptez cette aide. Évidemment. Alors, mon équipement. Sélectionnez l'équipement, vous pouvez également changer d'équipement durant une quête à la tente du camp. Donc, j'ai le choix entre... Donc, je vous dis les armes, vous me dites ce que je choisis, hein. Mâchoire d'os. Attendez, ça charge, là? Pourquoi ça met un quart d'heure à charger? C'est ouf. J'ai entendu vibrer, non? Voilà. Donc, mâchoire d'os, sabre en fer, tomahawk joya, lame wyvern, rocher d'obéissance, ça serait bien que Jax le prenne. Arme de la forêt. T'as dit quoi? Hache d'acier, lance-canon de fer, lance de l'orage, corne brutale. Et glaive à plumes. Arc du chasseur. Arbalète d'acier. Déchiqueteur de feu. Fusil en os. J'ai écouté de live, bâtard. Torture optède. Maxime, si jamais je trouve un monstre, prends le katana. Le marteau est facile d'utiliser. Prends le katana. Je comprends pas. Y a pas de katana! Non mais c'est bizarre, c'est dit, si tu n'as jamais trop joué, prends le katana, le marteau est facile d'utilisation. La lame wyverne, je dirais double lame, vitesse, morpho-hache, mode épée plus légère et hache plus destructrice, ou épée longue, combo long. Si le marteau est facile d'utilisation, pourquoi conseiller le katana? C'est ça, hein, l'épée, on va dire que c'est ça. Donc, armure de chasseur, armure de la forêt, armure Jagras, armure machin... C'est quoi les... Je comprends pas. Azimed dit que tu peux tester les armes dans la zone d'entraînement avant l'émission. Ouais, mais on s'en fout. Bon, je garde mon armure de chasseur, mes gants de chasseur. De toute façon, ils sont tous moins bien que celui que j'ai. J'ai une jupette. Le mec, il appelle ça jupette. Mes jambières, ok. Mon collier de défense. Collier de guerre. Angélique, Lugus, Opal, on sait pas ce que ça fait, pourquoi ça... L'allure du katana, c'est la lame, je voulais dire le marteau est simple d'utilisation aussi. J'ai oublié le aussi, ouais. Bon, moi j'ai oublié de ban aussi. Ouais. Quel connard. Ouais, ouais, je sais pas, tu vois, depuis qu'on a switché, changé de jeu, je me sens en forme, quoi, c'est... Bon, on va dire que c'est bien, hein.
Et le palico, il peut avoir quoi? Pelle d'os, marteau, arc sylvestre. Tu vas prendre l'arc sylvestre, c'est rigolo. Ah, il peut avoir des petits hommes et tout. Tiens, ça c'est badass. Allez, c'est parti, rien à foutre. Tu vois, j'avais raison, regarde, il y a Zach et Zou, tu vois, il est trop chou, le chat, gna gna, tu vois, je t'avais dit que ça... Mais il est trop chou. Ah, mais c'est prévisible, voilà, le mec, tout ça, pour faire genre, ah, oh, regardez... Salut, Hélène Koff. Salut, Hélène Koff. Trop hâte qu'il y ait quelqu'un qui resub du 7ème mois aujourd'hui. Je me languis trop qu'il y ait un mec qui resub pour la 7ème fois, quoi. Pareil. D'accord, donc c'est le terrain de Javra. Mais c'est pas... Ah, mais j'ai pas mis japonais, je suis con. J'ai mis anglais. Qu'est-ce qu'il faut faire? Oui, je sais, je sais lire une carte. After a feast, the great jaguar can be found waddling back to its nest, scraping its big belly along the ground. Try heading over to this area here and search for any clues it may have left behind. D'accord. Once you've tracked it down, c'est pas beau, hein. Someone put a three-star hurtin' on it. Oh, and one more thing. You're being timed. Quoi, mon temps est limité? Je vais te faire enculer, bâtard. Attends, j'essaie de voir si je peux pas, dans option, changer le son. Merde, je peux pas. Bon, c'est moi qui ai chié dans l'école, là. C'est moi qui ai choisi anglais, je sais pas, j'étais bête. Attendez, on peut mettre un stickers. Genre celui-là. Ou ça. Ok, d'accord, très bien. Donc comment on fait pour taper? C'est pas ça. C'est ça. The longsword is a close-range weapon designed for cutting attacks. You can gather your spirit to increase its power. D'accord, bon, bah on va voir. Hein. Non, c'est pas pareil, c'est pardon. C'est vraiment pas très beau. Hein. C'est trop crédible de manipuler une arme aussi grande. Oh là là. Oh, il est bête celui-là. Ah, il y a un truc qui est passé devant là, c'était quoi? Regardez! Ça, c'était le mec chou. Il brandit l'épée, il devrait juste tomber en arrière, mais c'est pas grave. Merde, c'est pas mal hein! Regardez les monstres au loin avec leur animation en 15 images par seconde. Waouh, c'est Crysis non? Ah merde, non, pardon. Par contre, ouais, franchement, là on sent les limites de la PS4, c'est assez ouf hein. Peut-être faudrait la PS4 Pro. Merde. Oh, il a appelé son compagnon nocturne, quelle imagination! Comment on fait pour viser? The scout flies have found something. Go get a closer look. Ah, on a trouvé un truc. Ectofact. Great! The scout flies have locked onto the scent of the monster. Be on the lookout for more tracks or traces. Ah. Bonjour, monsieur. Aaron qui utilise américain avait mieux compris. Un bon coup de napalm mais plus de problème. Ah, on peut prendre des trucs, vous voyez. Je sais pas ce que ça fait, mais on peut le prendre. Ah, de la mousse aquatique. Miam. Katozeris trouve que c'est joli. La DA, ouais. Ouais, ouais. Alors, voilà, des gars qui fait son pavé, de mec qui va expliquer le jeu. Ah, tu peux cancel des attaques en faisant une esquive. Et ceci d'appuyer sur rond et triangle en même temps. Normalement ça décale sur le côté. Quand tu tapes assez un monstre, une jauge se remplit qui te permet de déclencher un combo plus puissant avec R2. Oh. Attendez, il y a un petit. On va tuer le petit. Boum!
croyez qu'il est mort? R1. Oui, il y a quelqu'un qui apparaît sur... D'après, il apparaît de quête avec... en temps limité, c'est... où ça? Ah ah ah, j'ai tué un oiseau! Ouais, Maxime devient fou. Il y a une pierre. Qu'est-ce que c'est la pierre? On peut faire quoi? On peut la gratter pour... D'accord. Salut, Necromonger. C'est le Necromonger. Oh, regardez, il y a des oiseaux qui viennent là. If you're clever, you can use the slinger to distract monsters. Ah, on peut encore le looter, j'avais pas vu. Bon, ah, chercheur, Maxime s'extasie parce qu'il aime tuer les êtres faibles et sans défense parce que c'est un noob. Non, j'aime bien tuer des trucs, c'est tout. C'est la suite de Jurassic World, en fait, du Morsand 2. If you follow the scalp flies to your target, you'll locate it in no time. Une genre de version post-apo de Jurassic World. Hop. Hop. Donc on collectionne des bidules. Necromonger, il fait gaffe, tu n'as que 20 minutes pour les 3 quêtes. C'est tout? Eh oui, donc bouge-toi. Oh, c'est bon. On n'est pas là pour se speeder le cul. Pour le moment, la dame fait penser à Xenoblade, si t'appuies dans l'ombre, des décors avec le bestiaire de Ark pour les dinosaures. How goes the exploring? Parce que dans Ark, il y a aussi des dinosaures. Ça y est, à niveau plus. Pas même dit ce jeu pour un mot qui coujave comme chat mort. Y'en a un autre petit! Putain, la maman se met avec! Boum! Bah alors, maman, on dit plus rien, on est mort! C'est comme ça qu'on tue des dinosaures, les amis. Un écran, regarde, je viens de le tester, ça fait depuis Monster Hunter Freedom que je me demande pourquoi il n'est pas sur PC console, mais je suis content que Capcom le fasse enfin. Hop. Bon, bah, c'est cool, on a tué des grosses bêtes. Ah, c'est peut-être ça, regardez, y'a Jex! Y'a Jex là-bas! Où tu vois ça? You're less likely to lose sight of a monster if you use the focus. Pas d'amalgame, hein, s'il te plaît. Okay, you know what you have to do. Get in there and do your stuff. Wow, c'est Jex! Boum, boum, boum! Ah! Je sais pas comment on fait des escapes. Mais Nocturne, aide-moi, pétasse! Quel nom du Grange à Grasse, c'est ça? Grange Exas. Et c'est X pour esquiver, de Dead 4. Pour activer quoi? Esquiver. Ah. Tu vas mourir. Pour l'instant, je suis loin de crever. Mais t'as pas l'air. On dirait que t'es surstuffé, non? Ouais, je sais pas. Toi, t'as, on dirait que t'as des armes de ouf qui. Ah, ça y est, ma touche. Et tu prends pas de dégâts. Putain, y'a la maman dino qui vient avec. Nocturne m'a. Nocturne s'est fait attaquer. Et en fait, le grand Jagras, c'est un bébé. Ah! C'est ça qu'on fait mal, très mal. Il est où? Je comprends pas comment on fait pour. Non! Je... Ah. Putain, il attaque, il est pas gentil, hein. Bien fait. Alors, Dead Cat dit: ouais, les quêtes faciles te surstop dans les démos, sinon il serait déjà mort. Ouais, j'imagine, hein, parce que vu le skill... C'est pas ce qu'on doit utiliser. Je pense qu'on doit utiliser ça, la bombe baril. Je sais pas comment ça marche.
C'est trop bien, genre en fait tu utilises l'arme et en plein combat elle s'émousse. Putain. Ah c'est ça. Il y a marqué ton arme qui est émoussée, faut que tu l'aiguises. Ah d'accord, attendez, j'aiguise. Bon, je fais un jeu de merde. Excusez-moi de dire ça, mais voilà. Ah, ouais, mais... C'est trop que tu commences à 0 sur le jeu final. Putain, il est en train de ramer du cul, c'est bon. Vite, on va aller l'achever. Regardez, il a du mal. Ah, je vais couper sa queue, je crois. T'as pas un filet ou un grappin, genre, pour l'arrêter pas. Attendez, il rentre dans son trou. Il va sûrement se réfugier dans son nid pour recouvrer ses forces. Marqué. Recouvre de tes forces avec ça. Oh putain, y'a ces bébés qui m'attaquent. Oh putain de cul. Daniel dit quand tu guides ton arme, son image revient au maximum, pas besoin de le faire plusieurs fois d'affilée. C'est bon, je l'ai tué cet enculé. Jexodragon est mort. Oh putain, il y a ses bébés autour. Oh bravo Maxime, tu as réussi à tuer un monstre qui est 10 levels de moins que toi et que tu es surstuffé, bravo. Vous inquiétez pas, ces bébés sont là pour nous inquiéter, mais on va tous les tuer. Tu lui as coupé la queue, tu peux la dépecer, tu peux obtenir des objets uniquement sur les queues, dit la lion. Comme dans la vraie. Bam, on a mis 10 minutes. Et voilà, vous avez obtenu le pack débutant de la commission pour avoir tué le compagnon de la base à utiliser dans la version finale. Ah, ouais. Sorti le 26 janvier 2018, disponible en précommande. Mais rien, t'as peur, c'est juste un jeu de braconnage en fait, hein, Monster Hunter. En fait, tu les tues juste pour obtenir, pour récupérer leur peau et fabriquer des armes avec et tout, quoi. C'est vraiment un jeu de braconnage. Hein. C'est ouf, quoi. Ah, et d'accord, et donc c'était ça la truc. On va faire un multijoueur. Non. Et on va faire numéro 2, terreur dans le désert des termites. On fait carrément niveau 3. Ah non, c'est encore un Jagras dans le 3, c'est les mêmes choses. On va faire le niveau 2. Donc on va camp 1, camp 2, camp 3. Allez, camp 6, comme ça on sera en plein milieu. Oui. Donc on va faire créer votre propre quête. Type de joueur, pas de préférence. Langue, pas de préférence. Session privée, oui. Chasseur, 4 joueurs. Terminé. Recruter des membres pour cette quête, oui. Donc si vous êtes là et que vous voulez jouer, dites-moi. C'est pas son premier Ben Islam hein, de Monster Hunter. Non mais à l'époque... Donc voilà. Comment on fait pour chercher des trucs. Donc l'idée de la quête, vous la voyez, c'est DQN majuscule, IS minuscule 3, WW minuscule 6, XA minuscule. Je vais l'écrire dans le chat. DQN IS 3, WW 6, XA. Premier arrivé, premier servi, les amis. Hop. Et pas de micro s'il vous plaît sur le chat PS7. Il est chou le chat quand même. C'est de la merde le chat, tu veux dire. Bam, Joe68, bienvenue à toi. Suivant. Attendez. Bidule.
trop bien comme pseudo. On attend une troisième personne. C'est toi, Duckman? Eh bien, salutations. Bon. Deux personnes sont prêtes, on attend un peu. Duckman sur le chat qui essaie de faire du faillot. Comment on dit ça? Du faillotisme là. En faisant c'est moi bidule. Bon. Je compte jusqu'à 10. Si personne ne se connecte après, c'est fini. Je remets le code dans le chat hein, au cas où c'était. Ah merde, je l'ai pas copié en fait. Et merci, t'as failli faillotage. Moi, ouais, je suis pas jaloux de Duckman. Pourquoi je serais jaloux d'un mec qui n'a pas de personnalité? De la merde sur le chat. Bon bah écoutez, on va lancer le truc hein. Tant pis pour la personne qui aurait voulu mais qui ne peut pas. On sera 3. C'est bien plus que pas assez. Baltaroy dit je suis tiré tiré tiré. C'est mon personnage préféré. Donc on va faire de la merde hein, vous inquiétez pas. Je compte sur vous pour avoir des armes différentes de la mienne. Ouh, on arrive à dos de Pteranodon qui s'éclate là-dessus. Attendez. What? Mais il passe à travers là. N'importe quoi. Alors, on a Bidule qui a la classe. Où est l'autre? C'est lui? Non. On sait pas. C'est bon, j'ai pris des pierres. On va aller essayer d'escalader ça. On peut escalader ça. Est-ce qu'on peut sauter? Oui. Hop. Comment on fait pour courir? On ne sait pas. On court comme ça. Oh, il y a deux autres trucs à tuer, là. Oh, putain, il y a des espèces de poules. C'est... Ouais, ils ont l'air bah... super rapides et plus forts que toi, les autres joueurs, non? Tu dis n'importe quoi. Bah! Non! Pourquoi? J'attaque avec quoi, là? C'est quoi, ça? Oh putain, ça a l'air d'être gros, ça. Vite, tapez-lui le cul! Oh fuck, il m'a tapé le cul à moi. Ah, il y avait de la caca. Mais c'est dégueulasse. Ah, c'est un des monstres de Resident Evil en fait. J'avais pas compris. Ah, mais on peut lui retirer des morceaux de carapace, ça c'est sympa ça. Putain, Joe, il s'est fait attaquer. Vous inquiétez pas, je sais pas ce qu'on peut faire. Putain, il lui a monté dessus, mais what? C'est bon, c'est le moment où il faut taper dessus. Taper dans le bousin. Ah ouais. J'adore quand la meuf, elle me dit « Eh, vous pouvez vous cacher là !»
pas envie de me cacher, moi, elle me cache pas. Je crois pas que tu testes toutes les armes de Tortue. Mais évidemment que je teste toutes les armes. J'ai toutes les armes dans le jeu, en fait. C'est marrant, c'est qu'ils se transforment. Ah ! Glomptopus, tu sautes d'un rebord, roulade vers une falaise de rebord, tu peux faire une attaque aérienne pour monter sur un monstre. Attendez, il a des pétards sur lui ! Merde, j'ai pris feu, du coup. Mortal Soda, dis-moi, j'y vais, ça me rend triste, ce massacre de gentils dinosaures. Mais c'est pas un gentil dinosaure, regarde ! Regarde, c'est une sale bête. Regarde, quand je lui enfonce des trucs dans le cul, il est pas content. Par contre, pourquoi dans la description du jeu, il est marqué vous incarnez Qatar, un braconneur qui veut devenir riche qui un, va, braconneur, un braconneur. Ouais. Dans l'univers, ça s'appelle comme ça, hein. C'est pas moi qui le dis, c'est marqué dans la boîte. Hein. Qui doit chasser des dinosaures et tout, apparemment. Vite, il faut suivre Jean-Michel Dulle, là. Putain, il s'en va, il rencontre des monstres qui ont une animation de une image par de 15 images par seconde. Non, par contre, c'est ridicule, ça. Oh. Bah, il s'enfuit super vite, c'est ouf. Bonjour. Je sais pas ce qu'il lui envoie dans la gueule, mais ça a l'air de pas lui faire du bien. Attendez, je sais plus comment on fait pour changer de... d'objet. Attendez, c'est pas ça. Il y a quand même une qui dit cool, les lucioles GPS, ma skin va aimer. J'aime bien les lucioles. Ce sont des créatures merveilleuses. Alors, on sent que c'est une créature plus forte parce que il faut des lance-roquettes pour la tuer. Ah, il crache du bleu. Est-ce que c'est du sang? Est-ce que c'est du sang? Ou est-ce que c'est de la bave? On ne sait pas. Oh, j'aurais pu le prévoir, je regardais pas vraiment. Ah, c'est L1 pour changer d'objet, attendez. Potion secrète, antidote, stealth à point, viande crue. Grande bombe baril. Voilà, c'est bon. J'ai posé une grande bombe baril. BOUM! Ah. Je me suis fait un peu défoncer la gueule, on va pas se mentir. Ah, oh, fuck. Oh non, je vais mourir. J'ai fait le bête. C'est vraiment un jeu d'assister, genre le monstre s'enfuit, t'as des lucioles, quoi, s'il te plaît. Hop, dit-il... On reparle encore de ton jeu favori, tu veux, ou... Je vois pas de quoi tu parles. Alors attendez, on va chercher une autre arme. Piège électrochoc, ça a l'air bien, ça. Putain, il y avait des fourmis et tout. Ouh, piège électrochoc. Elle crache pas du bleu, l'artilleur l'a empoisonné. Couteau poison. Tu comprends vraiment rien. Non mais vous inquiétez pas, je sais, c'était une blague. Couteau poison. C'est moi qui l'ai empoisonné. Regardez, avec mon couteau poison. Aïe! Comment on fait pour attaquer avec le couteau poison? Je comprends pas. Je comprends pas comment on fait pour équiper le couteau poison. Attendez, je crois qu'il faut ranger mon arme. Voilà, et faire ça. C'est bon, j'ai compris comment on fait le couteau poison. Merde. Tartufet dit... Ah non, il répond à DevDev, c'est intéressant, il dit « Je suis complètement novice en Monster Hunter, mais après avoir testé la bêta, à jouer c'est vraiment sympa. Après, c'est visiblement des jeux qui s'apprécient sur le très long terme. » Oui, on est d'accord. Voilà, regardez. Je lui fais du mal.
poudre du démon. Voilà. Poudre de pierre, aiguisoire. Attendez, il y a un filet. Filet de capture. Voilà, je l'ai capturé avec ma Pokéball. Ça marche très mal. En même temps, le filet de capture est tout petit, hein, faut le dire. Une canne à pêche, manche barbecue, ma cape caméon. Hop, il ne me voit plus. J'aime bien faire absolument de la merde. Je pense qu'il y a des gens sur le chat qui vont se dire, mais quel connard. Je plains les gens qui jouent avec toi. Hein. Ça va dire, mais qu'est-ce qu'il prend? Mais je trouve plus l'aiguisoire. Par contre, j'aime bien le fait que le comportement du... Comment ça s'appelle ? Le fait que le comportement du truc change et tout en fur et à mesure du combat, c'est toujours un truc cool, ça. Ouais, j'essaierai peut-être le jeu sur PC. À plusieurs, ça peut être sympa. Bah, à plusieurs, c'est vraiment sympa, hein, mais faut vraiment jouer à plusieurs. En solo, ce qui m'avait gavé, c'est bon, déjà t'es seul, et en fait c'est beaucoup de farm. Et c'est pas très facile à comprendre en plus, des fois. Non, vraiment, ça c'est un des gros problèmes que j'ai trouvé. Alors, autant sur le dernier que j'avais joué sur. Sur 3DS, c'était simplifié, on va pas se mentir, et du coup il y avait vraiment des missions tuto, tu vois, avec des plus petits monstres, etc, machin, et ça c'était sympa. D'après vidéo, les deux premiers joueurs sont stylés, Maxime, ce vôtre. je regarde pas vraiment le jeu pour être franc, mais bon, c'est pas ça. Par contre, il nous fait visiter le monde, hein, regardez. Oh, on va casser cet arbre, il a l'air méchant. Oh, plus, ça, du coup, le fait de pouvoir jouer en multi, ça doit être cool. Mais presque le mode, quand, parce que le mode histoire fait ça à plusieurs, je ne sais pas. Mais il n'y a pas de mode histoire, c'est juste le mode principal et c'est tout le temps à plusieurs. Hein. Ah, d'accord, ok. Mais après, je sais pas s'il est très ouvert comme truc. Dans ce cas, dit le jeu super mauvais pour t'expliquer les trucs, surtout depuis Monster Hunter 4 génération. Le mieux, c'est de regarder les tutos sur internet. Ah, ouais, c'est ça en fait. Ouais, bah attends, c'est trop chiant ça. Ouais, moi je suis d'accord avec toi, c'est trop chiant. Delcat, ici, il y a un mode histoire en solo. Ah, il s'est tellement fait défoncer le cul. T'as entendu, du coup? Il y a un mode histoire, d'accord. Oui, non, mais ouais, oui, il y a un mode solo, histoire en solo. Y a... Ah, d'accord. Ah, attendez. Il se passe quoi là-bas? J'ai pas compris ce qui s'est passé. Il y a eu un autre monstre, c'est ça? Ah, attendez, je crois que j'ai pas de. C'est trop stylé d'être sur le dos de la créature. Pourquoi tu ne le fais pas, Maxime? Ouais, bah c'est parce que je préfère le laisser aux gens qui viennent sur le live, tu vois, ils peuvent montrer les trucs et tout. Eux, ça leur fait plaisir, hein. Moi, je suis dans l'acte de données, moi, hein, c'est. Attention. J'ai mis des bombes et ça a fait exploser un de mes camarades de joueurs. Non, c'est un boulet, mais il arriverait mieux sans lui. Oui. Alors, je sais pas comment on fait pour aiguiser. J'arrive pas à retrouver l'objet. Ah, attendez, c'est bon, j'ai retrouvé. C'est aiguiseur. Ouais, c'est vrai que peut-être t'as expliqué comment monter dessus en plus. Oui, tu me l'as pas répété ou tu me l'as mal répété. Si, je te l'ai dit. Non, tu m'as dit oui, j'ai pas envie de répéter machin chose. T'inquiète, tu trouveras par toi-même. Donc bon, merci quoi. C'est bon, c'est moi qui l'ai tué. Wouh. All right, you completed the quest. Congrats.
vite, faut le looter. Ouais, on a trouvé de la queue. On a trouvé. Maxime, il a mis le curseur sur 10 tours le groupe, hein. Il veut pas rejouer avec eux. Non, mais c'était cool. Moi, je vais pas jouer plus longtemps que ça. C'était plus pour tester, bon. Bah, franchement, s'il y a un bon début qui vous explique bien le jeu et tout, pourquoi pas. Sinon, bof. Si j'avais un marteau, Toby Toast, homme des cavernes, hein. Tir à la fonte réussite, 18, je tiens à dire quand même, hein. Bon, Joe, si je... Toutes les missions, elles sont chronométrées comme ça Non, non. Ah, ce que j'allais dire, c'est un peu chiant. Moi, quand j'avais joué, il me semblait pas que c'était chronométré, quoi. Je sortais, je chassais. Bon, bah, merci à ceux qui sont venus sur le... Comment ça s'appelle ? Sur le live avec moi. C'est sympa. Bon, après, clairement, c'est une petite démo. Je m'attendais pas à plus, hein, franchement. Mais bon, je vole les kills, là. J'étais là depuis le début, hein, clairement. Mais c'était très sympa. Bon, par contre... Vraiment, j'y jouerai pas sur PS4, c'est certain. C'était quand même plutôt laid. Techniquement, c'était quand même pas joli. Donc voilà. Sinon, il serait temps un jour que je vous présente Alienation, Parangon, The Lost Bear, Until Dawn, Final 12, je le ferai pas ça. Hop. Paragon, c'est quoi déjà? C'est pas le... Paragon, c'est un jeu enfin, très orienté multi, etc. Nio, de toute façon, j'y jouerai pas sur console, et j'ai déjà dépassé mon niveau sur PC, donc c'est bon. Il y a des limites de temps? Ah bon? Ah bah, je savais pas. D'accord, bah excusez-moi, j'ai dit de la merde, alors je pensais qu'il n'y en avait pas, oui. Demande d'amis reçue. Alors attendez, je vais les compléter, c'est que j'ai pas... Ah bah c'est bon. C'est fait. Bon bah impec. Il y a les bons chasseurs et masques. Je vous permets pas de dire ça, ok? Bande de salauds, va. Hein. Vous rendez pas compte ce que je fais pour vous. Dossier merde. Ah ça c'est sympa. Ajouter au dossier. Dossier merde. Ah bah voilà. On peut ajouter toutes ces merdes là. Ajouter au dossier. Dossier merde. Putain, du coup, personne n'a pu resub. Je suis un peu triste. Il n'y a pas eu de resub marrant. Et voilà, c'est fini. Je peux éteindre la console. Je précise qu'elle est restée allumée pendant genre... 6 mois. Parce que je ne savais pas. Enfin, j'avais pas vu, mais elle s'était allumée toute seule et éteinte en. À la base, je voulais voir ce que ça faisait quand on tapait quelqu'un qui était mort. Merci beaucoup, Shinigamino Baka. Mais je parle d'un resub 7 mois. Mais même, le tien a tout autant de valeur. Et de toute façon, un jour, tu arriveras aux 7 mois. J'y crois. Et si tu ne le fais pas, eh bien, alors, tu me décevras. Attendez, je ne vois plus. Il faut s'attendre à la version PC mi-année 2018, à mon avis. Non, mais je ne l'attends pas. Hein. Donc, il peut sortir fin 2019, que ça ne changerait pas grand-chose pour moi. Je trouve ça cool qu'il sorte, mais je ne l'attends pas plus que ça, quoi. Bah, pourquoi? Pourquoi j'attends un resub? Parce que je trouve ça cool. Ah non, je te mute sur notre Twitch, d'accord. À cause de FF12, d'accord. Oui, mais la limite est tellement large en jeu qu'on s'en rend même pas compte. D'accord, c'est peut-être pour ça. Alors. Ouais, ils font peut-être plus pour le côté pas passer 16 heures à chasser un monstre. Ah, bah du coup, c'était sympa, mais c'est vrai que ouais, visuellement, j'attendrai quand même la version PC. Je pense que ça sera plus agréable à jouer. Et puis même, je préfère avoir une manette de Xbox One qu'une manette de PS4. Donc voilà. Après, chacun son truc, hein, les gens. Vous avez le droit de... Vous avez le droit, hein. Hop. Bon, bah du coup, on se voit quand? On se voit pas la semaine prochaine du tout. Jack, c'est mort? Non.
Non, non, voilà. Non, pas grave. Tant pis. Donc, on se voit. Pas lundi. Enfin, pas aujourd'hui, donc pas dimanche. Pas lundi, pas mardi, pas mercredi, pas jeudi, pas vendredi, pas samedi, pas dimanche, pas lundi. Voilà. On se revoit mardi et j'aurai vu Star Wars normalement en IMAX, en VO, à Reims. Mais à 10h du matin. Hein? Donc voilà. Pas de live? Oui, je suis désolé. C'est semaine de tournage, une des semaines de tournage les plus importantes de tout le seuil de l'étrange. Ça va être un tournage éprouvant et je pense que ça va être un tournage en même temps très cool, très particulier. Ça va être bien. Voilà. Perso, je préfère tuer des nazis sur Wolfenstein que des dinos. Après, c'est mes goûts. Bah, moi, en fait, le problème de Wolfenstein, non, le problème de Monster Hunter, c'est que c'est quand même un jeu. En fait, ça me fait vachement penser à Nioh, notamment, ou à des jeux comme ça. En fait, c'est très technique, mais énormément technique. Ça vous demande réellement d'apprendre une méthode de jeu quand vous jouez avec une arme ou par rapport à un type de monstre. Il faut savoir comment on joue au jeu, comment le jeu se joue avec telle arme, comment le monstre là va réagir, etc. Ce qui est super cool pour tous ceux qui ont le temps et l'envie de se mettre à ça, parce que c'est vraiment, vraiment très satisfaisant pour ça. Et à plusieurs, ça peut être vraiment top. Mais si vous n'avez pas spécialement de temps de vous investir à ce point-là, moi, je sais que sur PSP, j'y ai joué, puis à un moment, pendant genre un mois, j'ai vu à pas jouer, je suis revenu dessus et j'étais en mode « Attends, qu'est-ce que je dois faire là? Qu'est-ce que qui se passe ?» Et ça, c'était un peu chaud. Du coup, c'était compliqué. Maintenant, ben voilà. C'est comme il y a des gens, ils n'aiment pas Dark Souls parce que ben, ils n'ont pas envie d'investir du temps dans le fait de ben, apprendre le jeu, même si je trouve que Dark Souls est vachement plus accessible qu'un Monster Hunter. Si tu as besoin de main-d'œuvre, ben, n'hésite pas, je suis sans emploi du spectacle à partir du 22. Léon, t'es où? Parce que pourquoi pas, hein. J'attends quand même 15 sur Pétail. Limite, le temps de préparation avant une quête est aussi long que les 10 quêtes quand t'oublies pas de t'amener du stuff. Oui, c'est ça en fait. Monster Hunter, j'ai vraiment envie de m'y remettre. Mais la gestion de ressources est tellement chiante, j'espère que c'est plus un problème sur World. J'ai la flemme de passer 40 ans à réunir des composants pour créer une potion de force. Sur Panam, ouais, c'est un peu. Bon, ça va, c'est pas très loin, mais c'est gérable. Ils ont quand même bien baisé le théorie de crafting. Baissé, à mon avis, pas baisé. C'est ce que j'aimais le plus. Ah non, bien baiser, donc si. Bah, en fait, le problème aussi, c'est ça. C'est qu'il faut vraiment apprendre le jeu, quoi. C'est. Je sais qu'il y a des gens qui se plaignaient de ça par rapport à certains jeux, genre. Je sais plus c'était lequel. Je sais plus, c'était un jeu dont on avait parlé où il y avait du crafting, il fallait l'apprendre, machin, etc. Mais là, c'est 10 fois pire. C'est 10 fois pire. Je me dis quelque chose, mais ouais. Et c'est compliqué. Du coup, hop. Et voilà. Faut que tu m'expliques comment tu joues avec l'os per KFS. Les combats sont pas. Ah, d'accord, vous parlez de trucs. Les démos sont bien là-dessus parce qu'elles te donnent des sets d'objets tout faits et c'est tellement plus agréable que de devoir faire une pause parce que t'as plus de miel. Bah, c'était un des trucs qui m'avait un peu saoulé dans le 3. C'était le fait que t'es là et tu fais genre, oh non, faut faire du farming en fait. Et c'est un côté MMO en fait, très. Justement très asiatique en fait, qui m'a gavé du cul moi assez vite. Voilà. Ouais, moi je le farm, je suis pas fan du tout. Hein. Ben, c'est ça en fait. Moi, le farm, c'est genre si c'est automatisé et que c'est juste. Ben, comme dans Darkwood par exemple. Dans Darkwood, je trouve que c'est extrêmement bien géré. C'est genre, oui, il y a des moments où il faudra aller farmer un truc. Ça veut pas dire que ça va prendre 1000 ans. Ça veut dire que dans votre journée, il va falloir prendre tant de minutes pour aller chercher du bois, ce qui veut dire que vous ne pourrez pas faire tel autre truc. Et ça ajoute une tension. C'est pas perdre du temps, c'est investir du temps dans quelque chose. Mais. C'est top, parce que c'est une prise de risque. Là, il n'y a pas de prise de risque. La plupart du temps, c'est juste c'est une question de temps. Vous allez perdre du temps. Je trouve pas ça super intéressant. Mais encore une fois, si vous aimez bien ça, c'est cool.
Mais c'est ça, Battle Royale. Après, faut voir comment ils gèrent dans le truc, quoi. Donc voilà. Bah sur ce, je vous dis à la semaine d'après, la semaine prochaine. Et attends, quand tu dois te taper 40 fois la quête d'une putain de bête pour avoir son armure, tu pleures surtout quand il te demande une seule ressource. Mais puis c'est ça, puis après ça sert à quoi d'avoir son... Enfin tu vois, c'est... Bah c'est ça, taper dans l'ombre. Quand c'est bien géré, le farm ne pose pas de problème. Mais dès que c'est un peu mal géré, moi ça me gaffe du cul. Voilà, là, c'est pour ça que, à mon avis, Monster Hunter World, peut-être que quand il sortira, je vous le ferai une fois en live ou deux, et puis après on arrêtera. C'est comme dans les MMO en fait. Mais oui, c'est ça, c'est exactement ça. Mais encore une fois, ça peut être intéressant dans un MMO parce que vous avez le côté, vous êtes à plusieurs pour le faire, et refaire une mission n'est pas très chiant forcément. Enfin voilà. Et donc je comprends que des gens aiment bien Monster Hunter. Hein. C'est comme un MMO, sauf qu'il y a l'aspect tactique des combats, etc. en plus. Donc c'est très intéressant, hein. Vraiment. Mais c'est pas mon truc. Tu te poses sans pression, tu ramasses tes ressources en... Mais voilà, il y a des... Comme je dis, voilà, toi, t'as bien aimé. T'aimes bien ça. Moi, à une époque, tu vois, par exemple, les MMO, j'aimais beaucoup. Ils jouaient en mode, comme tu dis, relax, tranquille. Et j'écoutais des... Comment ça s'appelle? Des podcasts en même temps. Je me rappelle, j'écoutais Radio Usul. À l'époque. Et Ok. c'était avant le fond de l'affaire, je crois, parce que... C'est quand j'ai commencé à vraiment bosser et tout à mon compte, et du coup j'avais pas mal de temps libre. C'était à peu l'époque. Et du coup je jouais à Guild Wars 2 notamment, et j'avais rejoué un petit peu à Evenline aussi à cette époque-là. Et c'était vraiment cool. Mais maintenant j'ai plus le temps. Et ouais, Nkanel, c'est fou que j'écoute quelqu'un de gauche. Putain, c'est fou quand même. À croire qu'on peut avoir des idées politiques différentes et écouter l'histoire de quelqu'un d'autre. Apparemment sur Twitter, ils sont pas trop d'accord. Tu regrettes cette période, pardonne-nous. Non, mais non, en fait. Parce que, vous voyez, c'est vrai que c'est une période qui était cool parce que bah, j'avais du temps pour jouer au jeu, j'avais du temps pour faire des trucs comme... quand... Je sais pas, regarder plein de films, regarder une série en quelques jours pour bah justement faire des balades sans trop de but. Voilà, c'était cool. Mais, à l'heure actuelle, c'est tellement mieux, les mecs. Je passe quasiment tout mon temps à faire des projets comme Le Seuil de l'étrange, les cassettes mystérieuses, les lives, préparer des jeux de rôle en live, préparer des trucs comme ça, c'est carrément mieux. Alors oui, par contre, je dors beaucoup moins, c'est stressant, ça, comment ça s'appelle? J'ai pas le temps de faire tout ce que je veux, j'ai toujours pas rejoué à Wolfenstein 2, j'ai toujours pas rejoué à des jeux que j'ai envie de terminer, machin, etc. Il y a des films que j'ai pas vus alors que je vais les voir depuis un an ou deux. Il y a des séries que j'ai toujours pas vues, j'ai une pile de bouquins, genre... Comme as à lire tous les bouquins que mes parents, mes proches et tout, ils m'offrent à mes anniversaires, Noël et tout. Des trucs trop bien que je veux lire, genre One Punch Man que j'ai trop envie de lire. D'autres trucs, genre Planète, des Hellboy, tout ça. Et ça s'empile, ça s'empile. Et je les lirai, bah, je les lirai quand je serai mort, c'est tout, c'est pas grave. Non, je pense pas faire du Christian, je pense que je mourrai d'un AVC ou d'un truc comme ça. Un truc cool. Non, je mourrai pendant le tournage des cassettes mystérieuses. Et Jax en sera témoin. Cool. Et après, je finirai le projet. Ouais. Bah, faudra descendre dans le trou. J'avance dans la grotte. Ouais, Regardez comme c'est sombre. J'ai peur. j'ai peur. Tout à fait, quand même. Moi aussi, ma vie a jamais été aussi bien remplie, mais j'ai pas du tout le temps de jouer à quoi que ce soit. Du coup, je joue là-dessus. Genre... Ah, mais c'est vrai, c'est ça. Et chaud de la grotte, Jax. C'est un peu le quotidien de tous les freelance passionnés. C'est ça, Dabnet. C'est ça. Tu pourras pas les lire. Johnny va y mettre le feu à tes livres. Il met le feu à des livres, Johnny Hallyday? Dans ses chansons? Enfin, il met plus feu à grand-chose. Hein.
Vu le nombre de monsters que Maxime boit, je pense qu'il mourra d'un AVC du diabète. Moi, ce qui me fait marrer, c'est que, en fait, si vous comparez ma consommation de, comment ça s'appelle, de monsters à la consommation de beaucoup de gens de café, ma consommation de monsters, c'est rien. Surtout les gens qui multiplient café, clope, alcool. Eux, ils mourront avant moi, hein, je peux vous assurer. Parce que je ne bois pas d'alcool et je ne fume pas, j'ai jamais fumé et je ne prends aucune drogue. Donc en dehors du Monster, si vous considérez que c'est une drogue, ce qui, franchement, je suis apte à le reconnaître. Mais voilà. Donc, ouais. Non, je pense que le plus dangereux pour moi, c'est le fait d'être assis devant un PC. Bon, après, avec les tournages en ce moment, ça va, je pense. Mon cœur va mieux. Il bat un peu. Comme ça. Et ouais, 3,95, ça arrive. Bon, sur ce, je vous dis à dans 2 semaines. Quand je reviendrai, je serai un homme changé par la dureté du tournage qui s'annonce. Ah ouais, 2 semaines quand même. Bah, oui, c'est jusqu'au, ouais, combien t'as dit? Bah, c'est jusqu'au 19. Donc c'est 9 jours en fait, hein, c'est pas tant, ouais, que ça. C'est 10 jours pour vous, mais dans la réalité, c'est 1 semaine et 2 jours. Donc ça va aller vite. Et donc par contre, la semaine du 19, je vous le rappelle une dernière fois, le 22, premier épisode de Glabux. Ah bon? Le 29, premier vrai épisode de Glabux. Donc si vous avez raté le 22... Le 22, ça... c'est l'introduction. Voilà, voilà. C'est 1h30, de... enfin, on va dire 2 heures de live. Et où vous allez découvrir ce qu'est Glabux, les personnages, et les personnages vont découvrir l'univers. Maintenant, est-ce que ça va être du grand jeu de rôle? Non, ça sera plus une introduction narrative où il va se passer, il y aura du jeu de rôle, hein, voilà. Mais vous vous rappelez l'épisode 1 de Bidule, c'est un peu pareil, ça sera du même genre. C'est-à-dire... Ouais, il faut prendre Dronomark, tout ça. Voilà, c'est ça. Et l'épisode 1, le vrai épisode 1, c'est le 29. Et là, par contre, si vous avez raté l'épisode 0, admettons, ne ratez pas le deuxième. Donc voilà. Par contre, quand du coup, il y aura... à partir du 19, on va reprendre... comment ça s'appelle ? Lisa. On va reprendre Darkwood, certainement. Mais d'abord, Lisa, j'aimerais bien le terminer. Voilà. Il y aura Okami, aussi, qu'on reprendra. Donc il n'y aura pas trop de Globby Aurore à cette période-là. Hein. Je sais que j'ai fait beaucoup de Globby Aurore là en octobre-novembre. Mais là du coup on va un peu calmer. Ça reprendra. Resident Evil 4, ce sera certainement le Globby Aurore qui reviendra. Parce que c'est cool, on a pu avancer. Et du coup il y aura aussi les aventures... Il y aura 2 aventures de Bidule normalement la semaine du 25 au 31. Et le 31 décembre, n'oubliez pas qu'on fait la soirée de ceux qui ne fêtent pas le nouvel an. Et du coup, il y aura de quoi faire. Donc, ouais. Donc voilà. Jax en premier, il va détruire l'univers dès le début. Je pense pas que ça sera Jax en premier. Je pense vraiment que ça sera Matt en premier. Je pense que ça sera ça. Parce qu'en fait, j'aurais bien aimé que ça soit Kevin en premier. Mais le seul moment où il pouvait, c'était le 22. Aujourd'hui, le 10. Ah, oui, et d'accord. Le problème, c'est que moi, je ne peux pas. Parce que je prépare le tournage, on va faire je vais faire 6 heures de bagnole aujourd'hui, et du coup après c'est non-stop, donc je peux pas me permettre de ça, voilà. Les DLC de RE7, oui, on les fera, je crois qu'ils sortent fin décembre, je sais pas si on les fera en fin décembre, on verra, si je suis hypé, on les fera, c'est sûr. Maintenant, le 29, donc Glabux. Le 30, les aventures de Bidule, ça c'est sûr. Le 30, ça sera les aventures de Bidule avec Jax. Et le dimanche, donc, soit ceux qui ne fêtent pas le nouvel an. Le 1er, il y aura certainement un live tranquillou avec Jax. On fera je sais pas quoi. Et le 2, 3, 4, il n'y aura pas de live. Parce que tournage des cassettes mystérieuses. C'est le 12 et DLC de A7. Ah bah alors... Ouais, on verra. C'est compliqué, hein. Y a pas assez de jours dans la semaine. Et je peux pas... Peut-être que je ferai des longs streams. On verra.
Parce que Jax, personne ne l'aime, donc il reste avec toi. C'est ça. Et oui, Voilà. malheureusement. En gros, c'est la, comment s'appelle ça, la gendarmerie qui est venue et qui m'a dit, bon, bah écoutez, enfin voilà, il faut que je fasse ça, enfin voilà. Donc voilà. Ah putain, la vache! J'avais pas vu, il y a un viewer, ancien modo d'ailleurs, qui a eu un accident de voiture avec un sanglier et qui a pas eu de séquelles apparemment. Il a rien. Bon bah ça va, tant mieux. Il a, putain, 130 km heure sur un cadavre de sanglier. Foufoufou. Chaud quoi. Eh bah, putain. Le sanglier a rien. Non, pas Castor. Purple. Pour ceux qui Ouais, je m'en connaissent. doutais, tu vois. Putain, c'est chaud. Hein. Bon. Bonne nuit. Bisous, bisous, bisous partout. On se revoit bientôt. Sur Twitter, vous aurez des. Comment ça s'appelle? Vous aurez certainement des nouvelles des tournages. C'est possible. À bientôt. Bisous, bisous, bisous partout. À bientôt, Jax. Bonne nuit à toi, bonne nuit au live. Ciao. Ciao. Et je vous laisse avec le générique de la fin. Poète, 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 poète,